tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc rendez-vous annuel, promo beauté, Leclerc. Allez, on y va, c'est parti. Allez, donc cette année, je suis assez déçue. Il y avait beaucoup de choses, certes, mais voilà, il y avait des choses vraiment que j'attendais, qui n'y étaient pas, comme la marque Cottage. Donc après, je crois que c'est en fait par rapport à certains magasins, puisque certaines déjà ont présenté des hauls promo beauté Leclerc avec la marque Cottage. D'ailleurs, dans le mien de Leclerc, l'année dernière, j'avais acheté des gels douches de chez Cottage, mais là, cette année, il n'y en avait pas. Voilà, donc notamment cette marque-là qui me manque énormément. Mais bon, voilà, ça, je n'ai pas pu acheter. Alors, je vais essayer de retrouver chaque fois le prix. Donc, ce sera le prix brut. Par contre, je ne me rappelle pas ce qui était à moins 70, moins 50. Voilà, je vous dirai après le prix que j'ai payé final. Il y a des choses, je m'en souviens, mais pas de tout. Alors, on va procéder par marque, parce que ce sera plus facile. Alors, j'ai pris tout d'abord les soins apaisants. Donc, c'est de la marque Le Petit Marseillais. Donc, celui-ci, je ne le connaissais absolument pas, l'aloe vera. J'ai, alors c'est lequel? Le blanc, il me semble, celui qui est très, comment on dit? Je perds mes mots, ça y est, je commence la vidéo déjà, ça y est, je ne sais plus parler. Eh bien, je ne sais plus, c'est celui qui nourrit énormément. Ben, d'ailleurs, je crois que c'est intense. Il me semble que c'est intense. Voilà, donc je l'avais commencé et puis bon, ben, j'ai dû en tester d'autres, donc je ne l'ai pas continué. Donc, je vais le mettre dans mon projet de panne parce que j'ai pas mal de lait pour le corps. Il a fallu que j'en achète un autre, évidemment. Voilà, donc celui-ci, les soins apaisants hydratation 48 heures à l'aloe vera bio pour les peaux sèches et sensibles. Donc, c'est un gros format, 400 ml en plus flacon pompe, hyper pratique. Quoi vous dire de plus? Ça, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc, pour celles qui ont des problèmes de peau sèche et très sèche, je vous conseille donc le Petit Marseillais. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, mais franchement, on va l'essayer en direct. Hein. Donc là, il faut activer la pompe. Voilà. Donc, vous voyez. Ça sent très, très bon. C'est très doux. Donc, vous voyez, la crème, elle est très onctueuse. Enfin, pas onctueuse. Elle est, comment on dit? Onctueuse, c'est quand c'est un petit peu plus crémeux. Là, c'est un petit peu plus liquide. Ça sent très, très bon. Franchement, c'est très agréable. Hein. Bon, j'en ai trop mis hein, pour me mettre sur la main. Donc, je me badigeonne le bras. Hein. Je... 4h de l'après-midi, la fille, elle se passe de la crème. Non, mais toc, toc. Hein. Bon, mais là, c'est pour vous montrer. Hein. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est agréable, c'est frais. Donc par contre, ouais, celui-là doit être super pour l'été. Alors franchement, je vous le conseille. Voilà, je vous le conseille vraiment pour cet été. Donc celui-là, il passe à moins 70 ou moins 80%. Donc je l'ai payé ben, à la base. Hein. Ben, déjà, il faudrait que je le trouve. Ouais, 4,29 €. Mais j'ai eu sur la carte 3 €. Donc, 1,29 €. Non, mais franchement, quoi. Foncez, foncez. C'est pour ça que je la tourne aujourd'hui. On est mardi. Donc, je la tourne aujourd'hui. Donc, j'aurai le temps de la préparer, etc. pour vous la mettre demain. Parce que ce soir, donc, c'est mardi. Ce soir, j'ai déjà une vidéo bonus qui sort, qui était pas, voilà, qui était déjà prévue. Donc, je ne peux pas la décaler. Absolument pas. Vous verrez. J'espère que vous l'aurez regardée. Donc, c'est la vidéo challenge No Mirror Makeup. Donc, challenge de se maquiller sans miroir. Voilà. Donc, c'est une vidéo bonus qui sort donc mardi, qui est sortie mardi. Et donc, aujourd'hui, voilà, je vous sors la promo beauté Leclerc. Donc, je vous reviens au mouton. Je vous conseille largement cette crème pour le corps. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle sent bon. C'est un régal. Puis, bon, j'ai la peau douce, mais vraiment douce. Et ça sent super bon. Excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil. Ensuite, j'ai pris Herbal Essence. Donc, je l'ai testé. Enfin, je l'ai encore dans ma douche. Le top. Mais alors, il sent bon. Il est agréable. Il ne... Comment vous dire? Au niveau des cheveux, quand vous les rincez,
Ça ne fait pas comme de la paille. Parfois, vous savez, ça vous les emmêle. Enfin, c'est vraiment une horreur. On dirait de la paille, certains shampoings. Celui-ci, pas du tout. Donc, c'est pour les cheveux colorés. Je vous le conseille aussi. Il est fabuleux. Et l'odeur a tombé par terre. Donc là, vous en achetez un. Vous en avez un deuxième gratuit. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, je vous le recommande largement. Donc, du coup, les deux, ils vous reviennent à... On va essayer de le trouver, hein, mais bon, le ticket, il n'est pas très long parce que franchement, je n'ai pas trop acheté. Shampoing essence, 2,97 €. Donc, du coup, c'est les deux. Hein, donc, surtout, n'oubliez pas le deuxième. Une tuerie, je vous le conseille pour celles qui ont les cheveux colorés. Ensuite, j'ai pris deux masques. C'est tout. Hein, j'en ai pris que deux. Je me suis retenue parce que j'en ai énormément, énormément. Donc, j'ai pris de la marque Garnier Skin Active. Hein, donc, vous les aviez tous à moins 50. Hein. J'ai pris un à la vitamine C, donc anti-fatigue. Ce m'a fait envie parce que c'est vrai que de temps en temps, voilà, ça fait pas de mal d'avoir un petit coup de peps au niveau de la peau. Donc pourquoi pas essayer. Donc là par contre, celui-ci, ah mais c'est un masque en tissu. Ah oui, j'avais pas vu. Donc pour les peaux ternes et fatiguées. Voilà, un masque 5 minutes, en plus il dure vraiment pas longtemps. Alors, le masque tissu à l'ananas, 2,78 €, donc divisé par 2, voilà. Ensuite, j'en ai pris un, donc à la coco. Vous savez, en ce moment, je suis complètement folle de la coco, je ne sais pas. Donc, j'en ai pris un au lait de coco et à l'acide hyaluronique. Hein. Donc, c'est un masque qui dure 15 minutes, par contre, celui-ci. Voilà. Donc, quoi vous dire de plus? Nutrition intense et éclat. Pour les peaux sèches et ternes aussi. Pourquoi pas, nous verrons bien. Donc celui-ci, il était à 2,78 € aussi. Donc vous avez vu, 2,78 €, j'ai deux masques. Moi franchement, la marque Garnier Skin Activa, je l'adore. Que ce soit pour les lotions astringentes, pour les masques, il y a plein plein de choses. Je l'adore cette marque. Franchement, je vous la conseille aussi, elle est très bien. Ensuite, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les masques, les gels douche, etc. J'ai trouvé des fossiles. Alors, j'ai eu des fossiles de cette marque dans ma dernière look fantastique, donc du mois dernier. Je vous mettrai le petit i avec le lien pour aller sur cette dernière vidéo box beauté. Et bon, ce n'était pas tout à fait les mêmes, mais ils sont magnifiques. Ils sont très fins, ils sont très beaux. Donc, du coup, ben, je me suis dit, pourquoi pas, tu vas en reprendre. Donc, ceci, c'est les Naturals 3 quarts. Alors, j'arrive, je cherche ceux que j'ai. Donc, ouais, les autres, c'est 3 quarts. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai eu dans la Look Fantastique. Vous voyez? Et ça, c'est ce que j'ai acheté à Leclerc. Voilà, les deux sont très beaux et franchement, c'est assez similaire, hein. Y a pas beaucoup de différence, hein. Donc ils étaient à 7,09 € et les fossiles à moitié prix. Voilà, 3,55 €. Cette superbe paire de fossiles, ils sont vraiment très très fins. Enfin, ils sont magnifiques. Voilà, donc je regrette pas du tout. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les mettre, mais franchement, je regrette pas. Donc là maintenant, on va passer à une autre marque. On va faire d'abord ben, la marque Palmer's. Donc Sonia, si tu passes par là, je t'ai écouté, j'ai acheté le complet. On y va, la suite. Alors, donc, j'ai pris plusieurs produits de la gamme. J'ai pris tout d'abord donc le shampoing. Donc il fait beaucoup, hein. Il doit faire au moins 400... Ouais, 400 millilitres. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la marque Palmer's. Donc, c'est formule à l'huile de noix de coco, la vitamine E. Quoi vous dire de plus? C'est pour les cheveux secs, abîmés et fragiles. Donc, ça doit hydrater le cheveu, je suppose. Donc, pour les cheveux colorés, c'est bien de prendre des shampoings pour les cheveux secs. Ensuite, donc, formule avec de l'huile de noix de coco naturelle et du monoï. Avec des ingrédients provenant de sources éthiques et durables. Donc, cette marque, elle est très, 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 très bien. Voilà, moi, j'avais déjà acheté, je ne sais plus ce que c'est que j'avais acheté, on est pour le corps, mais il y a bien longtemps.
Et c'est vrai qu'après, bon, voilà, je n'étais pas passée devant. Franchement, je n'y pensais plus du tout. Donc voilà, il y a à l'intérieur l'huile de coco hydrate en profondeur et donne de l'éclat, de l'huile de monoï hydrate et dorlote, de la protéine de kératine qui a une action réparatrice et qui renforce la structure du cheveu. Voilà, donc c'est vraiment, j'espère, de bons ingrédients. Si j'y pense surtout, je vous mettrai le test avec Yuka pour voir, vraiment par curiosité. Donc voilà, c'est vraiment un gros contenant. Donc ça sent le lait de coco. Hein. Franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est à fond lait de coco. Alors, donc ce shampoing, 4,58 €. Et du coup, moitié prix, 2,29 €. Bonne affaire. Ensuite, pour rester dans les cheveux. J'ai voulu tester, donc pareil, huile de coco, mais c'est un soin sans rinçage. Donc, c'est un petit pchit-pchit, vous voyez, qui fait 250 ml. Donc, je vous le montre un petit peu plus près. Voilà. Donc, pareil, je ne vais pas vous ressortir la tirade. C'est exactement les mêmes ingrédients à l'intérieur, la même, voilà, les mêmes composants. Donc, voilà, je me suis dit, pour démêler les cheveux, ça peut être sympa. Parce qu'en fait, il ne me restait que de l'huile réparatrice qui protège de la casse et de la chauffe des cheveux quand vous passez le fer à lisser, le fer à boucler et puis ben, le séchoir à cheveux. Et pour les démêler, ben, il ne me restait pas grand-chose. Donc, du coup, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, donc, ce soin sans rinçage est à 5,99 € et il est passé à 2 €. J'ai eu 3 € de réduction. Donc c'est à plus de. Ah non, moitié prix, je suis bête, 5,99 €, 3 €. Donc je l'ai payé 2,99 €. Franchement, super. Ensuite, donc on va passer au corps. J'ai pris le baume corps. Alors, comme une idiote, c'est pas ça que je voulais pas. Je voulais prendre le gommage. Hein. Mais ben, je me suis trompée parce qu'après j'ai pris aussi le lait pour le corps. Bon, c'est pas grave hein, parce qu'on dirait que c'est pas tout à fait la même texture. Hein. Bon, l'odeur c'est la même. Hein. Donc, ça a l'air un peu plus liquide. Hein. Voilà le lait hydratant. Il fait 250 ml le lait hydratant. Et le lait corps, donc 4,32 €. Donc, à moitié prix ou 40%, il y avait sur la marque Palmer. 40%, d'un coup, ça me fait tilt. Et ensuite, donc, j'ai pris le baume corps. Voilà. Donc, ça, c'est combien? 100 grammes. C'est vraiment pas beaucoup, hein, 100 grammes. Ouais, c'est operculé. Par contre, nickel, parce que si je ne m'en sers pas de suite comme ça, au moins, ça s'abîmera pas. Donc, le baume pour le corps, 4,32 €. Voilà, donc c'est ça, 40%. Donc voilà pour la marque Palmer. Ça, vraiment, ça me tenait à cœur. C'est une des marques que je voulais absolument prendre sans contexte. Ah, mais j'ai oublié. Et j'ai trouvé cette huile sublimante pour le corps. Attendez, je débarrasse un petit peu. Voilà. Donc c'est une huile pour le corps. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait d'acheter ça. Donc c'est sans parabène, ça aussi, je ne vous l'ai pas dit. Sans phtalate, sans sulfate, sans huile minérale, sans gluten et sans colorant. Voilà, donc c'est vraiment complet. Vous voyez, tout est bien écrit derrière. Donc c'est un flacon de 150 ml qui nous promet une hydratation sur 24 heures. Alors je ne sais pas si je vais aimer, mais j'avais vraiment envie de tester. Alors, donc là aussi, là c'est un flacon, mais ce n'est pas un spray, vous voyez, c'est juste un petit. Donc on va le faire ensemble. Oups là, attention, donc c'est de l'huile très liquide. Ça sent léger, léger. Hein? On dirait de l'eau. C'est vraiment très raffiné, très, très raffiné. Oh, qu'un régal. Ça brille. Oh là là, vous voyez? J'adore, ça brille. Et là, pour l'été, mais c'est une tuerie ce truc. Ah, c'est super. Bon, après. Là, j'essaie de bien me le faire pénétrer et on verra tout à l'heure à la fin de la vidéo si c'est collant ou comme ça, on fait un petit test en même temps. Pourquoi pas?
Comme ça, avant d'aller acheter, ben, si ça vous plaît, vous pouvez craquer. Bon, allez, donc je me le suis étalé. Oh, mais qu'est-ce que c'est agréable! Après, ça sent pas super fort, par contre, l'huile, mais vraiment pas fort. Hein. Ça sent à peine. Hein. Donc, l'huile, par contre, 8,25 €, elle est chère. Hein. Elle est chère hein, et du coup, ben, elle était à moins 40 aussi. Elle est corps, non, c'est pas ça. Huile coco, 3,30 € sur la réduction. Ouais, donc ça fait 5,25 € à peu, même pas 5 €. Ça fait 5 € là, l'huile. Hein. Voilà, mais bon, comme c'est gras, fait gras, entre parenthèses. Là, elle fait pas grasse hein, quand même. Hein. Mais vous avez, enfin, vous l'étalez pas mal et voilà. Hein. Donc, je pense que c'est bon. À tester. Mais en tout cas, là, pour le moment, ça me paraît super. Donc, pour la marque Palmer's, j'avais oublié de vous montrer. J'ai pris l'huile de coco, donc en soin capillaire, hein, pareil pour les cheveux secs, abîmés et fragiles. Hein. Donc, et ici. Voilà. Donc, ça fait 150 grammes. Et il y a aussi un opercule. Donc, voilà. On dirait que la texture est bien onctueuse. Hein. Donc là, par contre, je n'ai pas du tout le prix. Puisqu'en fait, j'y suis allée la veille. Donc, c'était quand? Ben, c'était lundi. Voilà, voir si c'était déjà déballé ou pas. Donc, du coup, je n'ai pas du tout le prix. Mais c'était pareil, c'était passé en promo. Et après, j'ai pris aussi l'après-shampoing. Voilà. Donc, pareil, je ne sais pas le prix. Mais c'est passé pareil en promotion. Je vous remontre un petit peu plus près. C'est un gros format, hein, 250 millilitres. Hein. Donc comme ça, j'essayerai de faire un combo entre le shampoing, l'après-shampoing et puis de faire un soin. Je ne sais pas si on peut tout faire à la suite. Hein. Ouais, non, ils ne disent pas. Ah! Ah ouais, le soin capillaire, en fait, il ne faut pas du tout le rincer. Oui, je découvre. Je découvre. Comme quoi, il faut bien lire hein, les étiquettes des produits. Voilà, une noisette de produits sur cheveux propres et secs. Ah oui, donc c'est voilà, quand les cheveux sont secs. Pour les cheveux très fins. Ah ouais, ne pas rincer. Bon, mais voilà, vous voyez, ben, je vous apprends un truc peut-être. En tout cas, moi, oui, j'ai appris un truc, ça c'est clair. Il ne faut pas du tout le mettre celui-ci sur les cheveux mouillés. Voilà, c'est sur cheveux secs. Allez, donc c'est bon pour cette marque. On passe à la suivante. Donc maintenant, on va passer à la deuxième marque pour laquelle il fallait absolument que je craque. Et j'ai vraiment craqué. Vous allez voir ça. Donc j'ai voulu craquer pour la marque. Voilà, vous voyez rien que le flacon, vous avez compris. La marque Lénard, Christian Lénard. Je n'arrête pas d'en entendre parler. J'ai testé il y a très longtemps. Je ne me souviens absolument plus quel produit, mais il me semble que c'était une lotion, mais il y a vraiment très longtemps. Et du coup, eh bien, je me suis dit, fonce. Alors, il y a tout un tas de produits de cette marque. Alors, je ne me souviens plus trop exactement, on va voir par rapport au ticket. Je ne me souviens plus si c'était à moins 50 ou à moins 40, mais il me semble que c'était plutôt dans les moins 50, donc ça valait super le coup, je n'ai pas trop réfléchi. Donc, tout d'abord, j'ai pris une eau micellaire. En ce moment, je les déquille, mais alors c'est un truc de fou, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je les utilise énormément, un peu plus que d'habitude, parce que je m'en sers matin et soir, hein, mais je ne sais pas. Donc, celle-ci, c'est eau micellaire aux vertus des eaux florales, rose, bleuet, amamélis, fleur d'oranger, nettoie, démaquille, tonifie et apaise, soin visage et yeux. Donc ça, j'adore quand ça fait les deux parce que moi, je n'ai pas besoin de prendre un autre produit pour me démaquiller les yeux. Moi, j'aime bien quand c'est efficace, rapide et impeccable. Donc ça, c'est un flacon de 500 millilitres. Voilà, je vous la remontre de plus près. Le packaging, il est magnifique. Mais je kiffe, je kiffe. Alors, donc cette lotion micellaire, on va voir combien elle coûte. Enfin, à la base, hein. Baume, huile, lait, shampoing, c'est pas ça. Ça, c'est la coco. L'eau micellaire, 3,32 €. Et 3,32 €, ça fait 40% parce que 1,33 € de réduction immédiate. Donc, ça doit faire du 40%. Mais bon, c'est déjà énorme. Hein. Franchement, vous avez vu ça un peu?
Le prix que je l'ai payé, c'est rien du tout, quoi. Pour un 500 millilitres, voilà, donc je suis super contente. Alors, par contre, ouais, non, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai plein. Je voulais la sentir pour vous le dire, mais non, ça m'embête. Ça m'embête parce que j'en ai déjà pas mal. Bon, même si je l'ai déquillé beaucoup, je préfère que ça reste fermé. Tant pis, désolée. Ensuite, j'ai pris une mousse nettoyante. Donc, c'est de la même senteur. Vous voyez, c'est le même packaging. Donc là, c'est la mousse nettoyante. Donc, elle fait combien? 150 millilitres. Mousse micellaire, 3,32 €. Et j'ai eu en réduction, mousse micellaire, 1,33 €. Donc, ça fait 2 euros. Tout juste, 1,99 € pour un produit comme ça. Enfin, ça va, quoi. Franchement, c'est bien, hein. Donc, ça, il faut le secouer, je crois. Appliquer sur le visage, au contour des yeux et le cou, masser délicatement puis rincer à l'eau. Et ça peut être aussi utilisé la mousse sous la douche. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me démaquille le visage. Je me passe toujours un produit, voilà, une mousse ou une huile démaquillante ou un gel, voilà, suivant ce que j'ai au moment, hein. Et je le fais sous la douche. Comme ça, ben déjà, c'est plus facile pour se rincer. Et voilà. On met le bandeau qui va bien et c'est parti mon kiki. Voilà, donc je ne sais pas si... Non, je ne vais pas mettre là. Donc, flacon pompe. Voilà, oh, j'adore ces textures mousseuses. Alors, ça sent les plantes. Hein. Ça sent les fleurs, mais c'est très discret. C'est très agréable. Hein. Donc, après, à peine vous appuyez, vous voyez, ben, ça y est, il n'y a plus rien. C'est très léger, c'est fondant. Voilà, bon, bah écoutez, on verra si ça démaquille bien. Mais franchement, j'adore. Ensuite, j'ai pris des eaux aromatisées. Donc, je n'ai pas pris celle à la rose, hein, c'est la classique. Hein, parce qu'en fait, j'ai déjà une eau de rose hein, et je ne voulais pas en avoir 50. Je voulais tester d'autres senteurs. Ce n'est pas de cette marque, c'est un truc que j'avais acheté chez Noz, il me semble. Mais bon, voilà, je voulais changer et puis prendre autre chose pour découvrir des senteurs. Donc là, j'ai pris eau aromatisée de tiare. J'adore la fleur de tiare, ça sent très, très, très bon. Elle tonifie et relaxe. Donc pour les peaux normales à mixte. Et le flacon fait 200 millilitres. Voilà. Donc on va essayer de voir comment ça s'utilise parce que je n'ai pas du tout l'habitude. Bien fait. L'eau aromatisée de tiare complète le nettoyage. Démaquille le visage et apporte un soin tonifiant et relaxant à la peau. Son parfum de tiare exotique et fleuri procure le bien-être à chaque utilisation. Voilà, appliquée quotidiennement sur l'ensemble du visage et le cou à l'aide d'un coton. Elle peut être appliquée aussi sur le corps. Sympa! Voilà. Donc 90% d'origine naturelle. Franchement, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit juste là. Le top. Voilà, donc en fait, c'est un complément après le démaquillage. Donc, c'est une lotion, hein, en fait, c'est comme une lotion. Voilà, soin visage. Hein. Bon, je ne l'ouvre pas parce qu'évidemment, c'est operculé. Donc, je vous présente la deuxième. J'ai pris celle au jasmin. J'adore le jasmin. Je trouve que ça sent super bon, cette fleur. J'adore. Donc là, c'est pareil. C'est le même fonctionnement. Et par contre, le jasmin, c'est pour rafraîchir et purifier. Donc voilà, hein, c'est tout type de peau par contre, celle-là. C'est sympa aussi. Voilà, donc je suis super contente d'avoir acheté ces produits. Alors, quoi vous dire sur le prix? 3,32 € prix normal. 1,33 € de réduction. Là, il y a un problème. Hein. Ah non, ça fait 2 euros. Non, mais la fille qui ne sait plus compter, quoi. Voilà, donc 2 euros chaque petite bouteille, fait enfin, une petite 250 millilitres, quand même, il y en a pour un moment. 2 euros, franchement, quoi. Alors, j'ai craqué pour des brumes de soins. Alors, en fait, je vous explique. Sais pas si vous vous souvenez d'un vlog. Alors, c'est le premier, le deuxième, je ne sais plus lequel c'est. J'avais fait une ouverture, un unboxing d'un colis de chez Révolution Beauty. Et j'avais acheté ce spray en pensant que c'était un spray hydratant, mais fixateur de maquillage, mais pas du tout, j'avais rien compris.
Et en fait, c'est un spray visage, voilà, pour rafraîchir, hydrater. Donc moi, je m'en sers après la douche, du coup. C'est une découverte pour moi. Et maintenant, franchement, je ne m'en passerai plus. Parce que c'est vrai qu'après la douche, enfin, moi perso, je me démaquille et j'ai la peau qui tiraille légèrement suivant les produits. Et du coup, eh bien, après ma lotion astringente, lotion tonique ou ce que vous voulez, j'ai quand même encore la peau un petit peu, voilà, un manque d'hydratation. Donc avant de me passer la crème de nuit ou le sérum de nuit suivant ce que j'ai au moment, eh bien, je me passe ce petit spray. Voilà. Et c'est franchement, c'est top parce que ça vous hydrate la peau. Vous n'avez pas besoin de vous mettre de la crème avant d'aller au lit. Donc du coup, je me mets ça voilà, après la douche et c'est génial. Donc du coup, je me suis dit, t'en reste presque la moitié, t'en faudrait d'avance. Et du coup, ben, sur Christian Lénard, vous avez un choix phénoménal de brume aussi. J'ai pris tout d'abord la brume de soin purifiante. Donc celle-là, c'est au citron, rafraîchit et hydrate. Donc c'est un soin visage et corps. Ça fait 150 millilitres. Hein. Donc c'est très agréable, franchement. On va tester ça, hein, je vais vous dire. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Parce que de celle-ci, je n'en ai jamais acheté. Bien fait. La brume rafraîchit, hydrate, purifie la peau du visage et du corps, le matin au réveil, le soir au coucher et tout au long de la journée. Son parfum de citron frais et pétillant apporte bien-être à chaque vaporisation. Donc à base d'extrait de citron, régulateur de sérum, n'importe quoi. Extrait de citron, régulateur de sébum, le pamplemousse pour l'aspect astringent, groseille, cassis, antioxydant. Donc il faut fermer les yeux, ouais. Vaporiser à 20 cm du visage ou sur le corps, laisser sécher ou tamponner à l'aide d'un mouchoir ou d'un disque de coton. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc ça, je peux l'ouvrir, c'est pas gênant du tout. Ça sent bon le citron, mais pas le citron très fort. C'est frais, c'est agréable. J'adore. Donc pareil que les autres, et 98% d'origine naturelle. Super produit. Ensuite, du coup, j'ai craqué, j'ai bien fait. J'ai pris celui vertu de la framboise qui rafraîchit et hydrate, mais comme l'autre. Hein. Donc, son parfum de framboise fruitée et gourmand apporte bien-être à chaque vaporisation. Donc, c'est pareil. Alors, formule à base d'extrait de framboise tonifiante et antioxydante et de mûres hydratantes et éclaircissantes. Donc, quand même, chacun a un aspect quand même un peu différent suivant le fruit qui est utilisé. Donc, là aussi, je vais m'asperger un petit pchit. Ça sent bon la framboise, mais pareil, c'est pas la framboise acide, c'est la framboise sucrée, mais qui ne dégoûte pas, qui n'est pas trop sucrée. C'est vraiment une brume. Voilà, c'est très léger, très fondant. Un régal, vous voyez? Je le laisse sécher puisqu'ils disent qu'il faut le laisser sécher normalement. Alors, les brumes, 2,82 € plein pot. Donc, 1,13 € de réduction. Donc, ça fait 1,70 € la brume. Non, mais que dalle, quoi. Que dalle. Ensuite, et pour finir ce haul promo beauté Leclerc, vous voyez, je n'ai pas trop craqué. Hein. Je me suis pris une autre brume, mais celle-ci, c'est une anti-pollution aux vertus du thé vert et du pissenlit. Donc, le pissenlit, ça a énormément de bienfaits aussi au niveau de la peau. Donc, hydrate, fixe le maquillage, par contre, protège de la pollution. Voilà, donc celui-ci, je m'en servirai, voilà, quand j'aurai fini mon fixateur à maquillage. J'en ai un en cours de chez Kiko. Voilà, c'est celui-ci. Alors, de chez Kiko, la gamme Wonder Woman. Donc, vous voyez, il en reste même pas la moitié. Donc, ça part vite. Hein. Il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, je l'aime bien. Donc, du coup, ben, je testerai celui-ci. Bon, après, c'est vrai que j'aimerais bien un fixateur à maquillage et qui matifie.
Parce qu'après, j'en ai un autre hein, que j'utilise une fois de temps en temps. Hein, c'est le Long Lasting Biface. Voilà, mais il n'est pas matifiant. C'est dommage. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, celui-ci, cette brume de soin anti-pollution est beaucoup plus petite en contenant. Elle fait 100 ml. Alors, c'est marqué. Je vous montre le bon côté. Voilà, 100 ml. Donc, je vous remontre le packaging. Donc, il est très joli aussi. Alors, celle-ci, 3,99 €. Moitié prix, puisqu'elle est 2 euros de réduction immédiate. Donc, 2 euros aussi le petit flacon. Voilà. Mais ce sont tellement de bons produits que franchement, j'ai pas hésité. Franchement, j'ai pas hésité. Donc là, on va essayer. Alors, l'odeur est un peu particulière. C'est l'odeur du pissenlit qui ressort. Bon, c'est spécial. Hein. Je vous avoue que c'est un peu spécial. Bon, je m'en servirai, évidemment, parce que j'aime... Enfin, j'aime pas. J'ai horreur de faire périr des produits, de gaspiller. J'ai horreur du gaspillage en général, de toute façon. Bon, l'odeur n'est pas au top. Voilà. Mais voilà, là, je viens de me le mettre. Je vais voir d'ici un petit moment si ça sent encore sur moi. Si ça sent encore et que ça me dérange, bon, voilà, je n'en mettrai pas souvent. Voilà, je le finirai, mais je n'en mettrai pas souvent. Donc, voilà, je vous en parlerai dans mes produits terminés. Quand ce sera fini, quoi, voilà. Voilà, donc, si j'avais payé tout ça plein pot, j'en aurais eu pour 70,28 €. Donc, en bon immédiat, j'ai eu 27,96 €. Donc, allez, 28 €. Donc, ça m'a fait 42,32 €. Et j'ai eu encore 3 € sur la carte. Voilà, sur le lait hydratant hein, à l'aloe vera du petit Marseillais. Voilà. Donc, ce sera tout pour mes promos beauté Leclerc. Parce que comme je vous ai dit, rien d'autre ne m'intéressait du coup puisqu'il n'y avait pas la marque Cottage. Des gels douche, comme vous savez, j'en ai à gogo. Donc là, franchement, je ne voulais pas acheter pour acheter parce que vraiment, j'ai plus de place de nouveau. Il faut vraiment que je me discipline. Donc voilà, j'essaye de faire tourner les anciens produits que j'avais achetés pour éviter voilà, hein, que ça tourne. Ou voilà. Donc j'essaye de faire attention à tout ça. Donc c'est pour ça que je n'ai acheté aucun gel douche. Voilà, que des produits voilà, qui s'utilisent quand même aussi assez rapidement. Donc, j'espère que ce haul promo beauté Leclerc vous aura plu, vous aura donné donc des avis, pas, je ne dis pas donner envie d'aller acheter, mais au moins avoir voilà, mon avis sur certains produits que j'ai pu utiliser là dans la vidéo pour vous montrer voilà, ce que ça donne, l'odeur, etc., la texture. Donc, pour vous dire que l'huile de la marque Palmer's n'est pas collante du tout. Ça vous fait la peau très très douce. Ça glisse légèrement, léger, mais c'est très doux. Et ensuite, l'autre côté, donc les mains, elles sont super douces. Ça sent encore quand on se met comme ça. Là, ça sent le citron de tout à l'heure. Mais c'est voilà, la peau est super hydratée. Donc, je suis super contente de tous mes produits. Donc, je vous embrasse très fort. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas, si vous passez par là par hasard ou si vous m'avez regardé déjà une fois, deux fois, trois fois, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.